Complètement. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dream Killer en compagnie de Legba. Coucou Legba. Coucou, coucou, coucou Hibou. Alors nous allons nous occuper de Richard G. Little, diagnostic pédophobie premier degré, anthropophobie premier degré, agoraphobie deuxième degré. J'ai entendu pédo, je fais quoi? Attends, ah ouais. Pédophobie, oui. 1er janvier 2009. Oh non, un jeu sur la pédophilie, je jouerai pas. Création de dossier. Le patient est physiothérapeute pour une équipe de basket. Il n'a pas de problème à l'entraînement, mais éprouve des peurs inexplicables pendant les matchs. Le premier examen révèle des symptômes d'agoraphobie. Le 2 février 2009. Après le match d'hier, notre séance a en outre mis à jour des symptômes de pédophobie, peur des enfants et d'anthropophobie, peur d'autrui. Le 3 mars 2009, sa peur des autres s'aggrave, elle s'exprime désormais à travers la haine. Propension inquiétante à développer un comportement violent ou à commettre des actes dangereux. On est parti pour le théâtre de marionnettes. Le patient, oh, okay. le mec va mal. Des enfants, des gens et des grands espaces. Allez Richard, c'est parti pour un tour. Le spectacle continue. Ah, c'est très sympa comme niveau, sympa. Waouh. Alors ça, c'est vraiment troublant. Une espèce de poule. Plop, 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 plop. Oh, des marionnettes, ils sont trop mignons. Top pour lui, c'est l'angle sultine. Ouais. Pour toi aussi, je pense. Ah, en plus, il y a des fraises. C'est des fraises géantes, c'est pour toi. Ce niveau, il est pour toi. Je suis allé aux fraises. Oui, je sais. Comme ça. Et il y a des marionnettes. Je suis sûr qu'il y a des clowns. Le pire, c'est que j'adore le coup. Ah putain, s'il y a ça, c'est moi qui retweet. Non mais le pire, c'est que j'adore le coup des fraises, je peux pas en manger. Okay. Sinon, j'ai des boutons. Ouais, bah, t'as des boutons, ça te fait que des boutons? Si j'en mange suffisamment, je peux faire un choc anaphylactique. D'accord. Ok, ouais, donc ça c'est pas cool. Ok. Pour ceux qui seraient passés quoi un choc anaphylactique, et ben c'est quand. C'est une espèce de crise d'asthme, ça. Et si vous n'avez pas d'épinéphrine sur vous, vous êtes un homme mort. Voilà, c'est quand vous êtes allergique. Voilà. Mais de façon sévère. De façon sévère, ouais. Ah ouais, d'accord, la grenade elle est pas mal. Assez puissant. Ok, donc les trucs qui explosent, on va essayer de les faire exploser de loin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va éviter de se les prendre sur la tronche. Alors vraiment, ces petits bonhommes, ces petites marionnettes, je trouve ça trop bien. Oh, il est délicieux, le petit couteau! C'est moins mignon! Oh, si, c'est mignon! On a des petites haches en bois! Oh, c'est craquant! Craquant! Ah ouais, ça me fait penser à la version toy là, de Kingdom. Des marionnettes tueuses, oh, j'adore ça, mais c'est génial. Ça me fait beaucoup. J'attends un bon film sur le thème. Et pas un Chucky. Ni un Annabelle, qui est pas beaucoup mieux. N'est-ce pas? Quoique entre Chucky et Annabelle, je sais pas ce que je préfère, honnêtement. Lequel est mieux, lequel est pire, je sais pas. Non plus. Les deux sont faciles, top. Ouh, nous sommes dans un théâtre rouge. Ouh, c'est trop bien, j'adore. Ah, il y a encore une poule géante. Coucou la poule. Coucou la poule. Coucou le poussin. Non, le poussin. Non, la cocotte. Non. Très mignon. Alors maintenant, je veux le fusil à pompe, s'il vous plaît. Quand est-ce que j'ai le fusil à pompe? Ok, on a les trucs qui électrocutent, ça va me devancer à marcher. J'ai besoin du fusil à pompe, justement. Ok, j'allais mourir, ok, très bien. Ok, attention à l'attaque de la cocotte. Ok, j'ai perdu ma mitrailleuse. Je vais comprendre pourquoi. Ok, j'ai dû me coller un truc là. Est-ce que c'est ça? Oh, je me prends des haches sur la tronche. Et ça me donne quoi? Ok, ça me donne le laser. C'est pas mal le laser.
Ok, ça met juste beaucoup de temps à recharger et ça fait pas beaucoup de mal au... Ah non, c'est juste qu'elle est costaud la marionnette. Justement, elle est super costaud. Faudrait un fusil à pompe là. Y'a pas un fusil à pompe quelque part? Oh oh, pas là. Voilà un crevasse cette marionnette. Oh, ça y est, la marionnette de la mort. Ah, elle était increvable. Ah, ça y est, le décor se lève. Oh, c'est génial. Des espèces de théâtre, c'est trop cool. Ok, est-ce qu'il y a un fusil à pompe? Ouais, ça y est, voilà, je l'ai. C'est cool. Salut! Ok, alors ça, ça sent... Ça sent le... Comment ils appellent ça? Le Cerbère. Où est le Cerbère? Non mais, j'y crois pas. Ah, c'est génial! C'est un cavalier! Non, c'est un petit soldat! Un petit soldat! C'est un petit soldat de plomb! Oh, c'est trop mignon! Enfin, pas de plomb, mais c'est un petit soldat, quoi. Oh, c'est trop craquant! J'adore, j'adore. Oh! Oh, regardez, elle tourne la tête! Oh, regardez, ils tournent la tête tous! Oh, c'est génial! Oh, c'est trop mignon! Oh, je craque complètement pour ce niveau! Oh, il est choubidou! Choubidou comme tout! J'adore! Oh, j'ai détruit le décor là un petit peu! Mais en même temps. Faut bien que j'arrive à tuer ces marionnettes qui me veulent du mal. Tant pis si j'ai trouvé un peu le décor en faisant ça. Ok, sors de là, faut que je détruise la boîte ou pas? Je sais pas. Ah, je suis coincée! Ah! Oui, je tire un peu partout pour voir si y'a des trucs à péter ou quoi. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Non, je garde le fusil à pompe. Ok, donc j'ai dû débloquer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Là, le rideau est fermé. Est-ce qu'il faut que j'aille? Où diable dois-je aller? Ah, ok, il y a un escalier autour. Ok, très bien. Donc je prends l'escalier. Ce niveau est adorable! Adorable, vraiment adorable. Il est super craquant. Alors vraiment, vraiment, je te dirais s'il y a des clowns là-bas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a que des petits jouets et tout. C'est okay. Trop craquant. Des enfants morts, yeah, yeah. Des enfants morts, yeah, yeah. Oui, oui. Ah non, c'est super craquant. Ah vraiment, je suis. Oh, il est trop mignon. Vraiment, je suis sous le charme. Je dois le dire, je suis sous le charme. Qui me tire dessus de moi là? Ok, des soldats. Ah non, je me les fasse. Ok, tant que je vois quelque chose, je vais aller tuer les soldats qui me tirent dessus de moi. La tête, oh boum! Ça c'est bien ça. Il y en a un là. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire une flèche. Ouais. Fusil à pompe, c'est d'autres plutôt. Ok, faut-il que je détruise des boîtes? Je pense pas encore une fois qu'il faille détruire les boîtes. C'est génial. Oh, c'est génial. Oh, je suis dans un espèce de truc rond comme ça. C'est trop... De quoi? Je suis dans un espèce de tuyau tube comme pour les enfants, tu sais. Ah bon, qu'est-ce que tu fous là? C'est génial. Les trucs à boules, c'est trop bien. Ça tourne beaucoup sur des boules ce jeu. Ouais, il y a beaucoup de boules.
Mais c'est trop craquant, j'adore. C'est très marrant, très marrant ce jeu, vraiment. Ah, c'est très marrant, oui. Ah oui, j'adore. Très marrant. Comme le bateau? Oui. Très marrant. Je peux pas rentrer dans cette boule là. Pourquoi? Ok, je suis rentrée dans la boule cette fois. Ok, je suis censée retourner là? Je ne sais pas. Non. Toujours essayer? La suite doit être plus loin. Ouais. Ah! Ah, laissez-moi sortir, la suite est par là, ouais. Ok. Je suis dans les décors du théâtre, c'est génial. C'est vraiment génial, j'adore. Je me répète tellement, moi, je suis tellement amoureuse de ce niveau. Un serveur! Ne me tue pas, Cerber! Petit soldat! Petit soldat! Ne me tue pas, petit soldat! Meurs! C'est bien, tu es un gentil mort, petit soldat! Ok. Seriously? T'as entendu ce que tu viens de dire? C'était tellement creepy! Bah, c'est vrai. C'est un gentil petit mort. T'es un bon petit soldat, maintenant meurs! Psychopathe! Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Alerte psychopathe. Oh, c'est pas moi qui lance des couteaux comme ça en l'air sur les gens et tout. On a. On explose. On explose. On meurt. C'est bien. On meurt. Tu pourrais dire ça sur un ton un petit peu moins chantant. Ce serait pas drôle. Aidez-moi! La nuit elle ronfle, aidez-moi! C'est pas vrai, je ronfle pas. Si je ronfle? Non, c'est pas la blague. Ça va alors, tant mieux. Enfin, tu fais. Comme ça. Oh mon dieu. Quoi? C'est vrai, je fais ça. Un truc comme ça, ouais. C'est bizarre. C'est très mignon. Et quand je suis enrhumée, je fais quoi? Là, c'est par la bouche. Un truc comme ça. Mon dieu. Oh, tu ronfles pas, tu fais des petits bruits, mais tu ronfles pas. D'accord, ça va. Je peux faire des petits bruits au moins. Allez, les petits chansons, on meurt. Allez, la chair à canon, on meurt. Dans la joie et la bonne humeur. Oui, on est content. Ah ouais, on est content de mourir, hein, putain. Techniquement, on n'existe pas, on n'existe même pas, on est juste une représentation métaphorique de la psyché de quelqu'un. Ouais. Rien que ça, c'est la merde. Si en plus, faut qu'on crève. Ah bah oui. C'est mieux. Ok, faudrait que je retourne en arrière. Non. Ah d'accord, le rideau s'est ouvert derrière la table, ok. Ok, donc on y va. Ah. Bah non, que dalle. Ah non, ça s'est ouvert sur le côté, ok. Oh oh. Ça m'a l'air cool ici. Faut que je me laisse tomber. Je me laissais tomber. C'est une grande arène. Oh, des gigantesques soldats. Oh oh. Qui vit dans la mer. Dans la mer, oh oh oh. Non, tu connais pas? Ah si. Qui vit dans...
vit dans un ascendant dans la mer. Bob Lennon, mon chien. Bob Lennon. Bob Lennon. Je crois que je suis concentré. J'ai l'air concentré, du coup. Qui va venir farmer? Qui va venir niquer ta mère, Bob Lennon, carré. Ça y est, Richard. Tu peux te réveiller maintenant. Ça y est? C'est toi qui tire les ficelles après. C'est ça le boss? Ces Dream Killers sont sous les ordres de quelqu'un. Mais qui? Ou quoi? Pourquoi? Il faut que je sorte m'éclaircir les idées. Ah, on a fini le niveau en un quart d'heure, très bien. Tout va bien. 196 tués. C'était mon niveau préféré, pourtant j'ai trouvé plus court que l'autre. Peut-être parce que j'avais moins peur chez les plus vite, j'en sais rien. Bon. Ok. Donc nous ferons le prochain patient, ben la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.